Pierre Billard vous présente l'anthologie du mystère. Voulez-vous appeler le témoin suivant, Monsieur Bellière? Monsieur Bellière! Venez, monsieur. Oui, oui, venez jusqu'à là-bas. Approchez. Vous vous appelez Bellière, Gilles, Antoine, René, 30 ans. Votre profession? Je suis étudiant en sociologie. Et puis aussi, je travaille à mi-temps. Je fais des démarches, des enquêtes. Des enquêtes? Oui, pour un laboratoire pharmaceutique, oui, monsieur le Président. Bien. Vous demeurez 62 avenue Velléda à Paris, dans le 15e arrondissement. Vous n'êtes ni parent, ni allié de l'accusé, ni attaché à son service. Non, monsieur le Président. Bien. Alors, vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. La cour vous écoute. Voulez-vous faire votre déposition? Ma déposition? Oui. Dites-nous tout ce que vous savez des faits qui se sont déroulés dans la soirée du dimanche 25 juin 1972. Ah, oui, dans la soirée du dimanche. Oui. Bon. Alors, j'étais chez moi, enfin, pas à Paris, je campais. Oui, parce que j'ai hérité de mes parents un grand terrain en bordure de l'étang du Boisnard, en Seine-et-Marne. J'y passe mes week-ends sous la tente, enfin quelquefois avec des copains, avec des amis, je veux dire, ou tout seul, ça dépend. Voulez-vous parler plus près du micro, s'il vous plaît? Pardon? Ah oui, très bien. Alors vous êtes donc un voisin de l'accusé? De Monsieur François Valagne, oui, Monsieur le Président, oui. Deux jardins seulement nous séparent, comme deux, même trois propriétés séparent celle de Monsieur Valagne de celle de son beau-frère. Mais on est tous riverains, enfin je veux dire... Toutes les propriétés aboutissent à l'étang, sans... Enfin, il n'y a pas de route qui nous sépare de l'eau, vous voyez? Oui. Et chaque riverain a la jouissance de l'étang, le droit de pêche. Oui, nous savons cela. Oui. Nous connaissons maintenant, je crois, suffisamment les lieux. Ils nous ont été abondamment décrits. Venons-en aux faits, je vous prie. Les faits? Eh bien... donc, dans la soirée du dimanche, vers 7h à peu près, j'étudiais un cours au bord de l'eau. Et puis alors, ça c'était un peu avant, un quart d'heure avant, peut-être même pas. Monsieur Valogne était passé sur son bateau, il longeait la rive. Et alors il m'a demandé si je n'avais pas vu passer son beau-frère. Je lui ai répondu si, il y a déjà un moment. Et puis je lui ai montré quelle direction Monsieur Lefranc avait prise avec sa barque. Enfin, approximativement. Et puis Monsieur Valogne s'est éloigné. Oui, l'étang est grand. C'est plutôt un lac, d'ailleurs. Oui, il y a des sources, avec plusieurs petites îles. Beaucoup de verdure, vous voyez, c'est assez joli. C'est... Enfin bref, moi j'ai perdu de vue très vite le bateau de Monsieur Valogne. Et puis d'ailleurs, je m'étais replongé dans mon cours. Ah oui, un moment après, il y a eu comme des bruits de voix, mais vaguement. Alors, comme je faisais pas attention, je n'ai pas réalisé tout de suite, quoi. Je voulais dire que... Continuez. Nous vous écoutons. Vous vouliez dire... Que
Tout s'est passé en même temps. Très vite. Oui, au moment où je relevais la tête, j'ai vu les barques assez loin sur l'étang et un homme tombé à l'eau. Mais j'ai pas compris tout de suite qu'il s'agissait de M. Lefranc. Oui, alors juste comme j'allais détacher mon bateau pour aller voir, M. Valogne a appelé au secours. Il me faisait des signes et Mme Tanguy, c'est une de nos voisines, est arrivée vers moi en courant, complètement affolée. Elle m'a dit, vous avez vu, il a poussé son beau-frère dans l'eau, il a frappé. Oui, oui, elle a même dit, il a tapé. Alors je lui ai demandé d'aller chercher du secours en vitesse. Elle a parlé de téléphoner aux pompiers, aux gendarmes. Alors, moi, je me suis dépêché de rejoindre M. Valogne sur les lieux de l'accident. Sa première parole était d'ailleurs, c'est un accident, vous avez vu, il a fait un faux mouvement. Oui. Et puis Malheureusement, on n'a pas vu M. Lefranc remonter à la surface. Et à cet endroit-là, l'eau est profonde. Il y a des rochers, des herbes. On n'a pas pied. Et alors, moi, je ne sais pas nager. Enfin, je suis revenu à mon ponton au moment où les gendarmes arrivaient. Et puis, d'autres personnes, ils en cherchaient aussi. Hélas. Voilà. Et c'est tout ce que vous voyez à nous dire, monsieur. En résumé, oui. Je ne vous ai pas demandé un résumé. François Valogne, dois-je vous le rappeler, se trouve ici dans le box des accusés. Et il est accusé d'un meurtre. Vous vous devez de n'en mettre aucun détail, même s'il vous paraît à vous insignifiant. J'ai là au dossier les procès-verbaux des déclarations que vous avez faites aux gendarmes, puis ensuite à monsieur le juge d'instruction. Vous étiez alors plus précis ? Plus précis ? Oui, ça c'est possible, mais sur le moment, on se rappelle mieux. Voyons, monsieur Bellière, vous connaissiez l'accusé assez bien, je crois. Oui, enfin, comme ça, en voisin. Au moment où madame Valogne et madame Lefranc, les deux sœurs donc, ont trouvé la mort ensemble, le 26 décembre 1971, dans un terrible accident de voiture, comme vous le savez, à votre connaissance, y avait-il déjà des dissensions entre les deux beaux-frères? Oh, des dissensions, je ne sais pas, je crois pas. Il y avait eu des histoires entre eux, paraît-il, à la société de pêche. Enfin. Oui, ça passe. Ça passe. Oui. L'accusé n'avait pas de motif de rancune à l'égard de son beau-frère? Il ne vous en aurait pas fait part? On n'était pas des amis intimes. Enfin, vous n'avez jamais assisté à une dispute, à une discussion un peu vive? Non, simplement, M. Valogne et son beau-frère s'envoyaient tout le temps des vannes. Et, agressifs tous les deux. Mais l'agressivité au second degré, vous voyez, comme s'ils plaisantaient. Tous les deux? Oui, M. Lefranc surtout. Il avait toujours l'air de guetter le bon moment pour poser des banderilles. Après la mort des deux femmes? Avant aussi. Mais après, avez-vous eu l'occasion d'entendre l'accusé menacer ouvertement son beau-frère? Le menacer de mort? Oh, absolument pas, non. Enfin, pas devant moi. Des témoins affirment avoir assisté à des accrochages assez violents entre les deux hommes. C'est possible, ça. Moi, je ne suis là que le samedi et le dimanche. Hein. Et encore pas chaque semaine, parce que je n'ai pas toujours le temps. Vous ne saviez pas qu'un différend très sérieux les opposait? Oh, si. Enfin, on m'avait dit des histoires de succession, quelque chose d'assez compliqué. Oui, parce que Mme Lefranc était la plus jeune des deux sœurs. Elle était censée être morte la dernière, je crois. Et alors ça posait des problèmes pour l'héritage, si j'ai bien compris. Et qui est-ce, on vous avait dit? Des gens, je sais pas moi, d'autres voisins, Mme Tanguy. Valogne lui-même ne vous en avait pas parlé? Valogne, si, comme ça, incidemment. L'accusé refusait de se dessaisir au profit de son beau-frère d'objets, bibelots, souvenirs, bijoux, etc., provenant de la famille des deux sœurs et dont, normalement, Mme Lefranc aurait hérité. C'était de notoriété publique. N'étiez pas au courant? Permettez-moi de m'en étonner. Oui, ça. Je le savais, bien évidemment. Eh bien, dites-le. Mais je le dis, Monsieur le Président. Il faut vous arracher les mots. Monsieur l'avocat général, oui, une question. Monsieur Bellière,
Dans le village voisin, il y a un certain petit café où fréquentait beaucoup l'accusé depuis quelque temps. La victime, quelquefois. Et vous-même, en compagnie de vos amis campeurs. C'est exact, oui. Et savez-vous si Valogne avait consommé le dimanche du drame dans ce café? Y avez-vous vu? Non. Non, je crois pas, non. Ouais, alors ça, je sais, tout le monde disait que depuis la mort de sa femme, M. Valogne avait tendance à forcer sur l'alcool, mais... Moi, je ne l'ai pas vu vivre ce jour-là. Oui. Vous avez été plus affirmatif auprès des gendarmes. Moi? Oui, on l'a... J'ai là, dans leur rapport, vous leur avez dit, M. Valogne avait trop bu. Parce que je l'avais entendu dire par d'autres, mais sans l'avoir constaté moi-même. Ah, alors... Oui, oui, la défense, maître, une question? Non, pas pour l'instant, monsieur le président. Ah, bien. Monsieur Bellier, quand l'accusé est passé devant vous en bateau, et qu'il vous a demandé si vous aviez vu son beau-frère... Oui, oui, monsieur le président. Il s'était aperçu peu de temps auparavant que monsieur Lefranc avait pris chez lui quelques-uns des souvenirs les plus précieux de sa femme, du moins Valogne l'affirme. Il prétend s'être introduit chez son beau-frère en l'absence de celui-ci et avoir récupéré, selon sa propre expression, les objets volés. Bon. Quand il est passé devant vous, vous en a-t-il parlé? Eh bien, c'est-à-dire... Non. Non, pas en ces termes-là. En quels termes, alors? Je ne me rappelle pas, monsieur le président. La défense, oui. Maître Giquel. Oui, 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 une question. Monsieur le président, voudriez-vous demander au témoin de nous dire ceci? Mon client lui a-t-il expressément demandé dans quelle direction monsieur Lefranc était parti, ou bien est-ce le témoin qui l'a renseigné spontanément? Monsieur Bellière, vous avez entendu la question? Oui. Oui, c'est moi, je crois, qui lui ai dit, il est parti par là, en lui indiquant la direction. Mais il n'avait rien demandé. Parce que vous l'aviez devancé. Monsieur l'avocat général, rien ne vous autorise à imaginer les réactions de mon client. Je me permets de vous le faire remarquer respectueusement. Considérons simplement en effet, je vous en prie. Maître. En tout état de cause, je remercie le témoin de cette précision. Comment l'accusé vous est-il apparu à ce moment-là, monsieur Bellière? Très en colère? Surexcité? Pas spécialement, non, assez... C'est décontracté, je crois. Mmh. L'accusé prétend, il l'affirme même, il a fini par retrouver son beau-frère à l'extrémité de l'étang. Monsieur Lefranc n'aurait pas répondu à ses appels et aurait ramé plus énergiquement pour s'éloigner de lui plus vite. Valogne ne l'aurait enfin rejoint qu'au milieu de l'eau, en vue de l'endroit où vous vous trouviez. C'est possible. Et c'est alors que la dispute aurait éclaté. Selon Valogne, son beau-frère l'a même menacé brandissant l'une de ses rames. Des injures auraient été échangées. Il m'a traité de tous les noms dits l'accusé. Monsieur Bellière a bien dû l'entendre d'ailleurs. Alors vous, malgré la relative proximité des lieux, vous n'avez en fait rien vu, rien entendu. J'étudie mon cours, monsieur le président. Et puis mon transistor marchait à côté de moi. Vous êtes absolument certain de n'avoir pas vu l'un des deux hommes attaquer l'autre? Si j'avais relevé la tête une seconde plus tôt, probablement j'aurais vu. D'après ce que vous nous avez assuré, vous pouviez lire au jour tombant. Oui, à la fin juin, à 7h du soir, c'est encore très clair. Et puis j'ai de bons yeux, monsieur l'avocat général. De bons yeux. Bien. Alors, comment pouvez-vous vous montrer aussi peu catégorique à propos de ce que vous avez vu au moment du drame? J'avais les yeux sur mon livre, pas sur le paysage. Et puis de toute façon, je vois très bien de près, mais pas bien de loin. Ah! Alors tout s'explique. Ben, pourtant, vous avez fait des déclarations différentes. Aux gendarmes d'abord, puis devant le micro d'un poste périphérique. On a plus mal interprété mes paroles. J'ai dit alors des choses que je croyais parce que je les avais entendues dire. Par exemple? Ben, j'avais entendu, comme d'autres personnes, comme les gendarmes eux-mêmes, Madame Tanguy assurait en parlant de M. Valogne, il a fait tomber son beau-frère à l'eau. Ah non, non. Pas il a fait tomber, mais il a poussé son beau-frère. Ben, vous voyez, Monsieur le Président, maintenant je ne sais même plus. Je demande, monsieur le président, que soient appliquées les dispositions de l'article 333 du Code de procédure pénale. Oh, monsieur l'avocat général. Non, mais vraiment, vous croyez nécessaire que... Ah oui, oui, monsieur le président, indispensable même. Bien. Ça signifie, monsieur Bellière, qu'à cette requête, monsieur le greffier va dresser un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre votre déposition et vos précédentes déclarations. Oui, je comprends, monsieur le président. Je regrette, mais ma mémoire,
Franchement, je ne peux rien dire d'autre. Monsieur Bellière, vous n'avez pas été surpris s'il s'agissait d'un banal accident que Valogne ne tente pas par tous les moyens de porter secours à son beau-frère? Mais il l'a cherché, comme moi. Personnellement, je ne peux pas me risquer de me jeter à l'eau. Quand j'étais très jeune, déjà, à cause d'un souffle au cœur, les médecins m'avaient déconseillé la natation. Oui, mais Valogne, lui, que je sache, n'a pas de souffle au cœur. Pas seulement comme il ne sait pas nager non plus. Valogne, vous avez pourtant été vu dans l'eau, en d'autres circonstances, par diverses personnes. Jamais dans les temps, monsieur l'avocat général. Il m'est arrivé, comme tout le monde, de me baigner, oui, quand j'ai pied. Sinon... Enfin, écoutez, c'est insensé. Toutes ces personnes qui habitent au bord de l'eau ne savent pas nager, sauf une, la victime, et elle ne reparaît pas. Ce qui aurait dû normalement se produire après quelques secondes, s'il s'agissait d'une simple chute. Enfin. Précisément, je me suis étonné, je l'ai dit à Monsieur Bellière. Vous vous rappelez, Monsieur Bellière? Valogne, voilà. Enfin. Valogne, je vous en prie. Non, vous ne devez pas vous adresser directement au témoin. Si vous avez une question à lui poser, faites-le par mon intermédiaire. Monsieur le Président, je voudrais savoir si Monsieur Bellière se souvient de ce que je lui ai dit à ce moment-là. Oui. Oui, je crois. Monsieur Valogne a paru surpris. Il m'a dit... Pourtant, Maxime nage comme un poisson. Il est peut-être remonté plus loin. Mais on était très inquiets, tous les deux. On a viré avec nos bateaux sur place. Et puis du côté des îles, en appelant Monsieur Lefranc. Et Monsieur Valogne a même dit à un moment, il a dit... Il n'a pas fini de faire le con. Ça, je m'en souviens parfaitement. Écoutez, vous avez viré Monsieur Bellière tous les deux sur les lieux. Comment l'accusé a-t-il manœuvré alors qu'il avait perdu l'un de ses avirons? Eh bien, c'est-à-dire que... Parce que je voudrais bien qu'on en parle un peu, moi, de ce fameux aviron tombé à l'eau. Vous semblez l'avoir complètement oublié. Non, c'est exact. Monsieur Valogne a bien perdu une rame. Je l'ai vu tomber à l'eau. Il n'y a pratiquement pas de courant. Et pourtant, elle s'est éloignée de nous encore assez vite. Donc, vraisemblablement, cette rame était libre pour pouvoir tomber. Je ne sais pas. Elle pouvait être dégagée de son tollet. Oui, ça joue. Avant, comme si Valogne s'en était emparé, pour frapper, par exemple. Je ne sais pas. Elle a très bien pu se dégager d'elle-même, tomber très vite le long du bordage. Et c'est juste à ce moment-là que j'ai tourné la tête et que moi, je l'ai vue. C'est possible. Donc, vous ne regardiez pas de ce côté à la seconde où, disons, elle a commencé à glisser? Non. Ah non, c'est évident. Non. Il est tout de même dommage, Monsieur Bellière, que vous arriviez toujours en retard d'une fraction de seconde pour voir réellement ce qui se passe. Ce n'est pas ma faute, Monsieur l'avocat général. De sorte que, à votre insu, par exemple, l'accusé pouvait avoir amorcé le geste de faire glisser sa rame à l'eau pour s'en débarrasser. Ne me dites pas que vous n'y avez pas pensé, cet inscrit-là, Monsieur Bellière, dans le procès-verbal de votre déposition auprès de Monsieur le juge d'instruction. Jamais je n'aurais eu cette idée-là tout seul. C'est Monsieur le juge qui m'a posé la question. Et vous avez répondu que c'était pas sûr, mais possible. C'est inscrit là aussi, je vous le dis. Mais beaucoup de choses sont possibles, ça ne veut pas dire qu'elles sont arrivées. J'ai vu partir cette rame à l'eau, j'en suis certain, c'est tout. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai eu l'idée de passer à Monsieur Valogne une des rames du bateau de son beau-frère, que je maintenais bord à bord avec le mien. La défense, oui, oui. Maître? Oui, le témoin pourrait-il nous préciser où il a pris cette rame? Oui. Eh bien, dans le bateau de M. Lefranc, maître. Vous ne devez pas vous adresser directement aux avocats. Pardon. Dans le bateau. C'est-à-dire, l'avez-vous dégagé du tonnet? Où se trouvait-elle, je ne sais pas moi, dans le fond? Oui, elle avait dû tomber sur le fond. Tomber. Comme si M. Lefranc, juste avant sa chute, avait lâché brusquement la rame, libre donc, qu'il tenait à la main, je suppose. Attendez, voyons, je... Attendez, je l'ai... Oui, je l'ai passé à M. Valogne. Oui. Après l'avoir prise? Oui, dans le fond, j'en suis certain, absolument. Bien, monsieur, je vous remercie. Plus de questions, maître? Non, pas pour le moment, monsieur le Président. Vous le savez, monsieur Bellière, monsieur Lefranc n'a été retrouvé au fond de l'étang que le lendemain, retenu par des rochers. Il présentait à la tête une large ecchymose, conséquence d'un traumatisme provoqué, monsieur le médecin légiste que nous avons entendu hier est formel, provoqué avant la mort, et non après. Comme ça aurait pu être le cas si la tête avait heurté un rocher, précisément. De plus, il y a eu fracture du crâne. Tout semble indiquer que la victime a été effectivement frappée avant sa chute dans l'eau. Moi, je ne sais pas, monsieur le Président. C'est possible. C'est ce que je peux dire. Madame Tanguy, voulez-vous revenir à la barre, s'il vous plaît? Oui, monsieur le Président.
Je jure de dire toute la vérité, je le jure. Non, c'est inutile, madame. Vous n'avez pas à renouveler votre serment. Ah, bon, je croyais. Madame, vous prétendez, vous, avoir vu sans aucun doute possible l'accusé frapper son beau-frère avec sa rame. Non, je ne prétends pas, monsieur le président, je le dis parce que c'est vrai. Comme je descendais le long de ma maison vers l'étang, je me répète, mais enfin... je me trouvais donc un petit peu en hauteur et j'ai vu nettement Monsieur Vallone taper Monsieur Lefranc avec sa rame et le malheureux basculer dans l'eau. Et je voyais aussi très bien Monsieur Bellière près de son saule pleureur, mais debout et pas en train de lire. Il avait sa canne à pêche. Mais enfin, c'est bien la première fois que nous entendons parler de ça. Oui, c'est en entendant Monsieur Bellière répéter qu'il lisait que tout d'un coup, moi, ça m'est revenu. Moi, je le revois parfaitement, sa canne à pêche à la main. Quoi? Et il tirait un poisson de l'eau. Enfin, Madame Tanguy, vous vous trompez, ce n'est pas possible. Mais si, Monsieur Bellière, si, moi, j'ai juré de dire toute la vérité, alors je l'ai dit. Mais enfin, quand vous m'avez appelé... Quand je vous ai appelé, Monsieur Bellière, vous veniez de prendre un poisson. Je ne sais pas quoi, par exemple. Mais vous m'en avez même causé après. Non, madame. Mais si, monsieur, moi, je vous revois comme si j'y étais. Enfin, Monsieur le Président, je sais ce que je fais tout de même. Madame Tanguy a pu me voir effectivement relever la ligne, mais pas au moment de l'accident. Mais je vous dis... Peut-être 10 minutes avant. Mais si, Madame Tanguy, si. Oh. Quand de chez vous, du bord de la rive, vous m'avez demandé si je voulais emporter à Paris une salade de votre jardin. Justement. Vous m'avez proposé une salade, vous, non? Eh bien, oui, justement. Alors. D'accord. Alors. Et je l'ai même enveloppée dans un journal. Et attendez, avec un petit bouquet de fines herbes et de l'estragon en plus. Alors, vous voyez bien, des détails me sont restés, monsieur. Et c'est quand vous m'avez proposé que j'ai relevé ma ligne? Bon, ça, y a pas de problème. Cela dit, quand l'accident est arrivé, enfin, je veux dire, aussitôt après, au moment où vous m'avez appelé, j'avais lâché mon livre, j'étais déjà debout, c'est exact, mais pour détacher ma barque... Vous confondez, je vous assure. Mais c'est vous qui confondez. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, Monsieur Bellière, vous êtes formel. Absolument, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Oui, madame. Une chose que Monsieur Bellière a l'air d'oublier aussi, c'est que le dimanche d'avant, mon mari... lui avait dit à propos des deux beaux-frères, comme on les appelait, un de ces jours, tout ça finira mal. Je ne me rappelle pas. Ah. C'est possible, je ne me rappelle pas. Il ne s'est pas trompé, mon mari, hein, la preuve. Bon, très bien. Merci, madame. Non, parce qu'il y était, mon mari, au petit café, le dimanche d'avant, quand Monsieur Vallogne a menacé Monsieur Lefranc devant tout le monde. Et Monsieur Bellière y était aussi, d'ailleurs. Vous vous trouviez dans ce café, Monsieur Bellière? Vraiment? Vous nous aviez affirmé le contraire, il me semble. J'y étais, oui, je crois. Non, mais enfin, vous y étiez ou vous n'y étiez pas? Vous devez bien le savoir, quand même. Oui, enfin, quand je dis je crois, je veux dire je crois à ce moment-là, mais j'en suis pas sûr. Et pour ma part, en tout cas, je n'ai pas entendu parler de menace. Oh, Monsieur Vallone lui a crié à son beau-frère, « Toi, un de ces jours, je te ferai ton affaire, textuellement. » Vous étiez présente, vous aussi, madame? Non, monsieur le président, mais mon mari m'a raconté. Alors moi, le crime ne m'a pas étonné. Et vous, monsieur, vous n'avez pas entendu? Bon, je ne faisais pas attention, je lisais. Encore? Ou un journal, simplement. Mais vous lisez tout le temps? Beaucoup, oui, monsieur l'avocat général, j'aime bien lire. Vous pouvez retourner à votre place, madame. La cour vous remercie. Bon, alors j'y retourne, monsieur le président. La défense, maître Jiquel. Il n'est pas dans mes habitudes, vous me rendrez cette justice, monsieur le président, de chercher à abattre un témoin en flamme. Et pas davantage de jouer plus ou moins cruellement avec lui de façon à jeter le discrédit sur sa bonne foi. Je me bornerai donc à une simple remarque en passant, messieurs de la cour, mesdames et messieurs les jurés, pour souligner dès maintenant, disons, la fragilité du témoignage de monsieur Bellière. Un témoin qui ne fait pas attention, qui ne se rappelle pas, témoin à charge, cité par vous, monsieur l'avocat général. Oui, mais que pour un peu, on croirait cité par la défense. Je suis d'accord avec vous, maître, si c'est ce que vous vouliez dire. Non, mais je ne me le serais pas permis, croyez-le bien, monsieur l'avocat général. Eh bien, si, malgré cela, vous ne regrettez pas de l'avoir rappelé à la barre, je me permettrai de ne pas le regretter non plus. Messieurs, bon. Voyons, plus de questions à poser aux témoins? Oui, monsieur le troisième juré, oui. Non. Ah bon. Excusez-moi, j'avais cru. Monsieur Bellière, vous ne voyez rien à ajouter à votre déposition? Non, monsieur le président, non. Plus rien. Veuillez demeurer dans la salle, je vous prie, jusqu'à la fin des débats. Nous pouvons encore avoir besoin de vous. Bien, monsieur le président. La cour vous remercie. Je
confuse, monsieur Bellière. Je ne vous dérange pas trop. Non, non, absolument pas. Entrez, madame Lardouin, entrez par ici. Non, simplement, je ne vous attendais pas, alors je... Je comprends, surtout à cette heure-ci. Mais l'audience s'est terminée tellement tard. Oui, alors c'est assez épuisant, je dois dire. Tenez, asseyez-vous. Attendez, je vais enlever mes bouquins pour dégager le fauteuil. Voilà. Oh, je vous dérange. Non, pas du tout. J'ai beaucoup hésité, vous savez. En sortant du palais, je suis même remontée chez moi, et puis... Et puis voilà. Oui. Vous permettez, je mangeais un morceau quand même. J'avais drôlement faim. J'en étais au camembert, vous voyez. Je vous en offre. Enfin, si le cœur vous en dit. Un petit Beaujolais. Non, non, non. Non, non, tenez, je bois du raisin. Là, je me contenterai d'une grappe. Servez-vous, je vous en prie. Merci. Vous vous doutez bien un peu de ce qui m'amène, non? Ben, vaguement. Bon. Ne parlons pas de ma déposition. Ce que peut déclarer la première femme de l'accusé, ça n'a guère d'intérêt pour les jurés, je crois. D'autant plus que je ne pouvais pas prêter serment. Et dans ce cas-là, n'est-ce pas... Quand même, ça peut influencer. Et vous... Vous avez prêté serment? Ben oui, bien sûr. Levez la main droite et dites « je le jure ». De dire toute la vérité, madame Lardouin. À ça, je devais avoir bonne mine, moi. Des positions plutôt vaseuses, je vous assure. Évidemment, comme je passais après vous, je ne l'ai pas entendu. Mais... D'après ce qu'a dit ensuite le président, ça n'a pas dû être tout à fait conforme à ce que j'espérais. Mais qu'est-ce que vous espériez à la fin? Que je me lance carrément dans le faux témoignage? C'était déjà pas si mal dans le genre, croyez-moi. Mais qui parle de faux témoignage? La première fois que je suis venue vous trouver, la seule d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé de mentir vraiment. Ah oui? Tiens. J'aurais cru pourtant. Et encore, j'ai eu du pot, hein, parce que le président pouvait drôlement me coincer. Mais non. Votre déposition ne devait pas être assez suspecte. Vous ne faisiez pas figure de faux témoin, sinon... Je n'ai pas la gueule adéquate, faut croire. Et pourquoi n'avez-vous pas fait ce que je vous ai suggéré? J'ai fait ce que j'ai pu, c'est déjà pas si mal. Vous pouviez jouer davantage sur le doute? Je n'en demandais pas plus, vous le savez bien. Et vous pouvez encore le faire. Quoi? Vous voudriez... Écoutez-moi, demain. Demain, c'est le dernier jour. Le président vous rappellera peut-être à la barre, c'est possible. J'espère bien que non. Je vous en prie, monsieur Bellière, n'attendez pas. Vous pouvez spontanément demander à être entendu à nouveau. Mais pourquoi faire, hein? Moi, je n'ai plus rien à dire. Mais si! Vous pouvez prétendre vous rappeler après coup certaines choses. Ah non, ah non, ah non, non, ça je commence à en avoir marre, moi, de cette affaire. Tout le monde veut me dicter ma conduite. Tout le monde. Et me seriner ma leçon. Eh ben non, je suis plus un gamin. J'ai 30 ans et je sais ce que j'ai à faire. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Plus je la bouclerai maintenant, et mieux ça vaudra, croyez-moi. Je vous en prie. Il suffirait simplement de donner aux choses une autre couleur, sans même vous rétracter vraiment. Que le sort de l'accusé vous intéresse, vous avez été sa femme, ça se comprend. Mais moi, hein, le cavalier, j'en ai rien à foutre. Oh, moins que vous voulez bien le dire, il me semble. Je me trompe. Moi? Je ne suis pas le moins du monde concerné, alors ça... Je vous demande pardon. Si je n'ai pas été aussi convaincant que vous l'auriez voulu, c'est peut-être que je ne suis pas moi-même assez convaincu. Ouais. Me voilà complètement paumé, moi, maintenant. Je peux vous aider, peut-être. Et puis, il y a des choses qui... Je n'aime pas marcher avec un caillou dans ma chaussure, madame Lardouin. Eh bien, déchaussez-vous, et on enlèvera le caillou. Oh, si c'était aussi simple... Ah non, non, ça, non, non, décidément, non. Non, quoi? Non, non. Revenir à la barre de moi-même, me rétracter mais à... Non, non, mais si, forcément. Et puis raconter encore d'autres salades, ah non, j'aurais l'air d'un guignol. Et voyons les choses un peu en détail, si vous voulez. Et puis avec ça, je me méfie, hein, parce que ces messieurs, les avocats surtout, ont l'art de vous poser des questions en vous proposant la réponse. Alors non, ça, les pièges à con, très peu pour moi. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais... Mais qu'est-ce qu'on peut faire? L'avocat général est bien capable de... Te demander sa tête. Oh non, non, quand même, non, je crois pas, non. La réclusion à perpétuité. Alors ça, peut-être. Oh mon Dieu. Et pourtant, c'est pas un mauvais homme. Moi qui le connais bien, je vous assure, il sera certainement libéré avant. Au bout de 20 ans, oui. Excusez-moi, monsieur Bellier, je n'aurais pas dû venir.
Je vais m'en aller maintenant, il est tard. Qu'est-ce que j'ai fait de mon parapluie? Pourquoi il pleut? Mais quand je suis arrivée, il pleuvait à verse. Oui. Il était dans l'entrée, je crois. Je vais essayer de trouver un taxi parce que... Bon, alors, nous nous reverrons là-bas demain. Obligatoirement. J'y serai un peu avant 1h30. Et je regrette beaucoup. Beaucoup, croyez-moi. Si je souhaite tellement que François apparaisse au... Je ne dis pas innocent, mais au moins à peine coupable. Vous pensez peut-être que j'y ai un intérêt? Je ne pense rien, moi, c'est pas mon problème, j'ai assez des miens. Mais ce n'est pas pour moi, Monsieur Bellière. François et moi, nous avons eu 2 enfants. 2 garçons. Ils ont 12 et 14 ans. C'est moi qui les élève. Ils sont au courant? Naturellement. Alors c'est pour eux. Vous comprenez? Oui. Bien sûr. Il voit toujours leur père? Oui, très régulièrement. Enfin, pas depuis cette malheureuse affaire, évidemment. Ils aiment beaucoup François. Et pourquoi vous avez divorcé, si je peux me permettre? C'est pas moi qui ai voulu le divorce, c'est lui. Moi, j'aurais patienté encore quelque temps, mais... Comme il pouvait pas s'empêcher... d'aller vers d'autres femmes, alors... Ah oui, oui, un cavaleur, je vois ça d'ici. C'est pas entièrement sa faute. Et après notre séparation, nous sommes restés bons amis. Nous nous rencontrions de temps en temps. Mais même après son remariage. Ça, c'est vraiment très chouette. Si un jour je me marie et que je divorce, vous voyez, je voudrais que ça se passe comme ça. Non, c'était surtout à cause des enfants, d'ailleurs. Et puis, François a toujours aimé se confier à moi. Il a vécu la mort de sa seconde femme comme un nouveau ratage, si vous voulez. Une autre forme de séparation. Vous comprenez? C'est elle qui conduisait quand l'accident est arrivé, je crois. Oui, oui. Oh, je n'excuse pas François, mais je comprends qu'il se soit mis à boire. Oui. Un pauvre homme, Monsieur Bellière. Un malheureux, vraiment, vous savez. Dites-moi, c'est vous qui devriez plaider pour lui. Je le comprends. Que voulez-vous? Ouais. Quand on comprend trop, les gens en abusent. Mais tant pis. Chez moi, comprendre, c'est une maladie chronique. Je n'en guérirai jamais. Alors, toujours amoureuse? Pardon? Eh bien, vous êtes direct, à la bonne heure. Mais pas répondu. Vous avez par moments une franchise plutôt brutale, non? Ça ne va pas être l'avis du président des Assises. Alors, vous voulez pas me répondre? Amoureuse de François? Oh non. Mais je me souviens de l'avoir été. Voilà. Bon. Eh bien, je vais partir maintenant. Tout ce que je pourrais ajouter, c'est à vous de reconsidérer le problème. Oh, mais c'est tout considéré. Je regrette, mais... Si j'avais pu vous être agréable... Quand je vous ai demandé un témoignage favorable, comme un service, je... Excusez-moi, je ne vous en avais pas parlé à ce moment-là parce que je ne savais pas quoi faire exactement. Je demande pardon, mais... C'est tellement délicat et... Essayez de comprendre un demi-mot. De comprendre quoi? Non, ça, j'avoue... Je ne vois absolument pas. Bien, un service n'est pas forcément gratuit. Comment ça? Oh. Vous voulez dire que... Oui. Ah, si. Alors, je ne voudrais pas vous froisser surtout, mais si c'est de l'argent que vous voulez... Quoi? Eh bien oui, ça se fait. C'est une certaine somme que vous fixeriez... Je n'ai pas de gros moyens, mais j'essaierai de réunir ce que... Oh, madame Lartois. Je sais pas, ou autre chose. Si vous avez besoin d'une aide quelconque, ou... Je ne sais pas, moi, si parmi mes relations... si vous vouliez vous faire une vraie situation, je pourrais peut-être vous ouvrir certaines portes. Dites-moi ce que vous voulez. Et rien. Absolument rien. J'aimerais assez le fric si j'en avais, ça je crois, oui, mais... Je ne suis pas capable de beaucoup d'efforts pour en ramasser. En tout cas, des efforts de ce genre-là.
Je me contente de peu, vous voyez, quand j'ai pas de Beaujolais, je bois de l'eau. Manque d'ambition? Ah, ça, on me le reproche quelquefois, mais je m'en fous. Cela dit, encore une fois, si je pouvais revenir sur mon témoignage, je le ferais. Pour vous. Et croyez-moi, ce serait gratuit. Décidément, vous êtes une femme épatante. Si, épatante. On se reverra? Demain, oui, à l'audience. Non, je veux dire, plus tard, après le procès. Ah oui, on pourrait se revoir de temps en temps, comme ça, pour le plaisir. Pour le plaisir? Ah oui, de bavarder, oui, quoi. Et puis j'aimerais bien connaître vos garçons. Devenir leurs copains, c'est possible? On en reparlera. Encore une chose que je ne sais pas depuis longtemps, mais je me suis renseignée. Oui, qu'est-ce que c'est? Un témoin peut se rétracter. S'il a fait un faux témoignage, rétablir la vérité. Intervenir, enfin, jusqu'à la clôture des débats. Avant que la cour se retire pour délibérer. Vous le saviez? Non. Absolument pas. Ouf. Moi, la procédure, hein. Ça vous donne encore un peu plus de temps pour réfléchir, Monsieur Bellière. Monsieur Bonamy, vous? Eh oui, moi. Bonjour, Monsieur Bellière. Bonjour, monsieur. Je regrette, je ne peux pas vous voir maintenant. Je dois être au palais dans une heure et juste je sortais pour aller déjeuner. Excusez-moi. Mais... Vous en serez quitte pour déjeuner plus rapidement. Je ne pouvais pas être là plus tôt. Je travaille, moi, monsieur Bellière. Oh, rassurez-vous, j'en ai pour 5 minutes. Bon, alors 5 minutes si vous voulez. Entrez. Pardon. Vous allez par ici. Merci. Par ici. Asseyez-vous. Non, je préfère rester debout. Comme vous voudrez. Vous devinez le but de ma visite? Non, ça, j'avoue... Vraiment? Ça m'étonnerait. Alors, content de vous? Bon, il y a pire. Ne vous foutez pas de moi par-dessus le marché. Moi, je ne suis pas content de vous, monsieur Bellière. Mais pas content du tout. C'est possible. C'est même certain. Vous m'aviez pourtant promis. Ah non, ça non, je ne vous ai rien promis. Ah si? Non, j'ai dit je verrai, je réfléchirai. Et c'est la réflexion qui vous a amené hier à cette déposition incroyable? Ah, bravo! Vous feriez mieux de ne jamais réfléchir. Si vous n'aviez pas eu la prétention de m'imposer vos contre-vérités, mon témoignage aurait sonné plus juste. Je ne savais plus quoi dire, moi. Oh, ça alors, vous ne vous êtes pas trop compromis, hein? Ben si, justement. D'ailleurs, des contre-vérités, je ne vous ai pas demandé de mentir, moi. Ah non? Et vous pouvez encore intervenir. Non, monsieur Bonamy, rien à faire. Vous le pouvez et vous le ferez, Bellière. Non. Si, vous le ferez, je vous dis. Parce que Fanogne est un criminel, vous le savez mieux que personne. Je ne dirai plus un mot à l'audience, sauf si le président me rappelle, évidemment. Et un criminel qui a prémédité son geste. Il a cherché son malheureux beau-frère, avec l'idée bien arrêtée dans sa tête d'ivrogne de le foutre à l'eau, en sachant pertinemment que Maxime Lefranc se noirait. Et il l'a frappé, avant, d'un coup d'aviron sur le crâne, pour plus de sûreté. Vous le savez, Bellière, et vous devez le dire, en bonne justice. Et la bonne justice, pour vous, monsieur Bonamy, ça ressemble drôlement à ce qui vous arrange. Hein? Il y aurait là-dessous comme un petit désir de vengeance bien mijoté, vous voyez, j'en serais pas autrement étonné. Et après? Oui, je tiens à la vengeance. Valogne doit payer, et le plus cher possible. Aussi, vous ne devez pas escamoter comme vous l'avez fait, ce qui est susceptible de l'accabler. Et au besoin, je peux en rajouter, n'est-ce pas? Eh bien, non. D'ailleurs, objectivement, reconnaissez-le, j'ai dit des choses pas toujours en sa faveur, non? Écoutez-moi, Bellière. Avec vous, je vais droit au but. Voyons les choses sans nous énerver. Essayez de comprendre. Maxime Lefranc n'avait aucune famille. Moi non plus. Je n'ai pas eu d'enfant. Il était mon filleul. Mais en réalité, je le considérais comme mon fils. Je l'aimais, monsieur Bellière. Oui, je l'aimais. J'ai tout fait pour ce garçon. Pendant les 40 années de son existence. Même sa situation. Et je voulais lui laisser à ma mort tout ce que je possède. La disparition de sa femme l'avait encore rapproché de son vieux parrain. Il n'avait plus que moi. Vraiment. Et l'autre, ce Valogne, vient faucher tout ça. Il le tue. Il me prive, moi, du même coup de tous mes projets d'avenir. Vous ne voudriez pas que je lui donne ma bénédiction, tout de même? Bien sûr.
Bien sûr, monsieur Bonamy, mais... c'est pas une raison pour que moi je fasse un faux témoignage, je vous l'ai déjà dit. Et cette histoire de bijoux soi-disant volés par Maxime chez Valogne le jour même du drame, et que l'autre aurait récupéré, vous y croyez, vous? Un prétexte, voyons, pour essayer de justifier son sale coup. Oh, un vilain bonhomme, monsieur Valogne. Un ivrogne, doublé d'un coureur, qui devient un assassin, vraiment. On n'a pas besoin de ça sur cette terre qui est déjà si encombrée. Mais si vous avez envie que ces choses-là soient dites, vous n'avez qu'à les dire vous-même. C'est ce que j'ai fait. Et je vous demande de confirmer, simplement. Enfin, vous êtes témoin à charge, oui ou non? Ou un témoin fragile. Maître Jiquel l'a dit lui-même. Alors, il faut pas trop me bousculer. Parce que... moi, si j'étais l'avocat général, je demanderais la peine de mort. Ça, je m'en doute. Je ne suis pas de ceux qui veulent la supprimer. Vous êtes impitoyable, monsieur Bonamy. Et je m'en flatte. C'est la pitié qui perd le monde. Tenez, tenez, vous avez pitié, j'en suis sûr, de cet individu, Valogne, dans le box des accusés. Pensez donc, comme s'il est intéressant, celui-là. Oui, il vous intéresse, parce qu'il est vivant. Mais l'autre, la pauvre victime, Maxime, enterré depuis 18 mois bientôt, une dalle de marbre sur le ventre, alors là, hein, quel intérêt! Le voilà bien lointain pour vous. Mais pas pour moi, monsieur Bélière. Et vous allez revenir sur vos déclarations. Je vous ai dit non. Tiens, à propos, vous savez que j'ai essayé de vous voir hier soir. Ah? Mais oui, très tard, après l'audience. Mais comme je montais votre escalier, j'ai vu arriver là, chez vous, là, juste devant moi, une femme, précisément. C'est possible. Mes compliments. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. J'ai préféré me retirer et revenir aujourd'hui par discrétion. Merci, monsieur Bonamy. Alors, c'est bien décidé, vous refusez? Oui. Dans 2 minutes, pas plus, vous accepterez. J'ai oublié de vous le dire. Quand on me rend un service, je sais le reconnaître. Ce qui signifie quoi? Vous devriez nous faire le plaisir de venir dimanche prochain, par exemple, jusqu'à notre petite maison de campagne, dans le Vexin. Ma femme sera ravie, et elle adore les jeunes gens. Et, au dessert, je me ferai un plaisir de vous remettre, disons, un joli souvenir. Un très beau cadeau, même. Ah oui? Qu'est-ce que vous me donnerez? Une montre en or, comme pour une première communion? Ou un beau vase de Chine, peut-être, c'est très bien porté en ce moment. Non, non. Je précise alors un peu brutalement. Ce sera une certaine enveloppe, bien garnie, je vous le promets. Merci, monsieur. Mais moi, le fric, franchement, ça ne m'intéresse pas. Vous m'excuserez, il faut que je m'en aille, monsieur Bonamy. Je ne suis pas arrivé à mon âge, vous le pensez bien, sans savoir comment on attrape les hommes. Alors, non? Sans regret? Pas de fric, comme vous dites? Sans aucun regret. Et si je vous accusais de faux témoignages? Si... Alors là, il faut être gonflé. D'abord, il faudrait prouver. Et j'ai comme une petite idée de la façon dont je m'y prendrai. Et vous savez, le faux témoignage, que ce soit pour ou bien contre l'accusé... en matière criminelle, ça va chercher loin. Possible. Je suis moins bien documenté que vous. Mais, si peu que je le sois, il me semble, pour celui qui cherche à faire pression sur un témoin, ça ne doit pas être donné non plus. Hein? À mon tour de vous dire, il faudrait prouver. Vous savez, quand on cherche dans les vieux péchés de quelqu'un, on trouve toujours... À mon âge, on n'a pas encore de vieux péchés. Oh, oui, tout de même. Il me semble qu'un tout jeune homme du nom de Gilles Bélière, à un moment où la précarité de sa situation ne lui permettait pas de poursuivre ses études, a commis, disons, certaines indélicatesses assez rémunératrices. C'était... dans une pharmacie, je crois, en province.
Et vous travaillez actuellement pour un grand laboratoire pharmaceutique, si je ne m'abuse. Comme ça se trouve, si le patron apprenait ce faux pas, je me demande s'il vous garderait parmi ses effectifs. Vous êtes une ordure, monsieur mon ami. Oh, je vous en prie. Foutez le camp. Allô ? Non, ça non, ça je ne vous permets pas. Venez voir votre manteau, foutez le camp. Allez, vite, 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 mon Dieu, vite. Allez, vite, allez, dehors, allez. Pour vous aider à prendre votre décision, vous devriez penser à cette personne. Vous savez, cette femme que j'ai vue arriver devant moi hier soir. Hein? Je suis tranquille. Vous êtes un garçon très raisonnable. J'ai dit foutez le camp. Voilà. Monsieur le Président, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les jurés, voilà ce que j'avais à vous dire en conclusion. Oui, je vous apporte seulement un doute. Mal étayé, j'en ai parfaitement conscience. Mal étayé parce que, je vous l'avoue moi-même, je ne sais pas tout de cette affaire sur laquelle s'étend et s'étendra toujours comme une zone d'ombre. Je n'insisterai pas davantage sur les contradictions des témoins. Même si Madame Tanguy ne s'abuse pas, si elle a réellement vu mon client frapper son beau-frère, cela n'implique pas que François Valogne n'ait pas eu à se défendre. Voyez-le, François Valogne, dans ce box, entre deux gardes. Comment ? C'est évident, ne pas soupçonner un homme dans cette situation. Je suis là pour le défendre, lui, l'accusé, et je suis là également... C'est aussi le rôle de l'avocat. Je suis là pour tenter d'éclairer la justice. Sans la trahir. Et sans trahir mon client. Et c'est pourquoi je me suis attaché à mettre cette zone d'ombre, si j'ose dire, en lumière. Non, vous savez, monsieur le Président, que je ne suis pas coutumier des effets oratoires. Je tiens à le souligner. Un jury... suis souvent les mouvements de sa sensibilité. Je vous demande de ne pas négliger pour autant les arguments de votre raison. À chacun d'entre vous, en particulier, à vous, madame, à vous, monsieur, je dis, le doute, si mince soit-il, doit toujours jouer en faveur de l'accusé. Souvenez-vous-en, tout à l'heure, je vous en conjure, quand vous vous trouverez dans la chambre des délibérations. Quand vous vous interrogerez vous-même, dans le silence et le recueillement selon les termes de la loi. Souvenez-vous-en, quand vous chercherez dans la sincérité de votre conscience à formuler cette intime conviction sur laquelle vous baserez votre verdict. Je remets avec confiance le sort de François Valogne entre vos mains. Accusé, levez-vous. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? Non. Non, monsieur le Président, je regrette ce qui s'est passé. Monsieur le Président, quoi, qu'est-ce qui se passe ? Un témoin demande à être entendu à nouveau. Ah oui ? Oui, c'est possible. Oui. Mais enfin, pourquoi attendre la dernière minute ? Qui est-ce ? C'est vous, monsieur Bélier ? Oui, monsieur le Président. Eh bien, approchez. Approchez, venez à la barre. Mais permettez-moi de m'étonner. Non, mais venez, oui, c'est ça, approchez-vous. Mais je vous en prie. Non, excusez-moi, monsieur le Président, je tenais à dire... Mais j'aurais dû le faire plus tôt. Excusez-moi, à force de penser à cette affaire, je... Oui. Écoutez, placez-vous bien en face du micro, s'il vous plaît. Ah oui, excusez-moi. Voilà. À force d'y penser... Oui. Oui ? Eh bien, nous vous écoutons. Qu'avez-vous à nous dire ? La vérité, monsieur le Président. Enfin, du moins, vue par moi, pas par les autres. Oui, je reviens sur ce que j'avais dit. Même si cela m'attirait quelques ennuis. Si cela peut vous tranquilliser, même dans le cas d'un faux témoignage caractérisé, une rétractation même tardive fait disparaître l'infraction. Alors,
Merci, monsieur le président. Voilà. Ce que j'ai à dire ne fera probablement plaisir à personne. Mais ça m'est égal. Voilà. À la fin du mois de mai 1971, le dernier samedi, je crois, monsieur Valogne et son beau-frère se trouvaient chez moi. Et ils se sont tombés dessus. Une vraie bagarre. Et c'est monsieur Lefranc qui avait attaqué. Je les ai séparés. Pas sans mal, d'ailleurs. Oui. Le dimanche 25 juin, monsieur Valogne est arrivé chez moi vers 6 heures. Il avait déjà un peu trop bu, visiblement. Mais sans être vraiment ivre. Et il a pratiquement vidé ma bouteille de whisky, enfin ce qui restait, 3 verres peut-être. À 7 heures, il n'a pas fait que passer devant moi en barque. Il a abordé. Le temps de me raconter l'affaire des bijoux, des objets que M. Lefranc lui avait pris. Ça, je dois dire, il était dans une colère noire. Ce salaud, il disait, en parlant de son beau-frère. Ouais. Mais s'il fallait supprimer tous les gens qu'on aurait de salauds, moi, je me suis pas affolé. J'ai pensé qu'ils allaient encore se bagarrer, que ça devenait entre eux comme une sorte de jeu. Vous voyez? Pas tellement sérieux, au fond. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je sais plus. Et au moment même du drame. Ah oui. Oui. Mais alors là, juste à la seconde où je relevais la tête, j'ai entendu M. Lefranc rire. Oui, comme quelqu'un qui se moque. Il avait sa rame à la main, ça j'en suis certain. Pourtant, excusez-moi, M. Valogne, mais je vous ai vu frapper votre beau-frère. Mais enfin, M. le Président, je crois l'avoir vu. Comme je crois avoir vu M. Lefranc menacer M. Valogne. Qui s'est défendu. Voilà. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit tout de suite, M. Valogne, quand je suis arrivé près de vous. Vous m'avez dit, il a failli me foutre à l'eau, vous avez vu? J'aurais pas dû, mais il fallait bien que je me défende. Hein? Vous vous rappelez? Vous ne devez pas vous adresser directement à l'accusé. Pardon. Pardon. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà ce que je le répète. Je crois avoir vu. Ouais, cela dit, on peut croire et se tromper, hein. Bien, monsieur Bélier. La cour vous remercie. Cependant, il eût été si simple pour vous de dire tout de suite ce que vous aviez à dire. Je ne comprends pas, je vous l'avoue. J'avais mes raisons, monsieur le président. Pourrait-on les connaître, ces raisons, monsieur Bélier? Des raisons personnelles. Mais encore, vous ne devez rien dissimuler. Il est déjà assez insensé que vous ayez attendu... La veille, le samedi dans la soirée, assez tard, M. Valogne et moi, on se trouvait au bord de l'étang. Le jour commençait à baisser. On parlait comme ça de choses et d'autres. Et puis j'ai dit... J'ai pensé tôt, quoi. J'ai dit que... Si on voulait se débarrasser de quelqu'un, ça serait facile. J'ai dit à cette heure-ci, surtout, quelqu'un qui tombe d'une barque, un accident est si vite arrivé, rien ne pourrait prouver que... Vous avez dit cela? Vraiment? Oui, monsieur le président, oui. Presque sans me rendre compte. Puis je l'aurais oublié, sûrement, si le lendemain... Oui. Et depuis, j'y pense plus souvent que je ne voudrais. Ce n'était tout de même pas un conseil. Non, bien sûr, non. Enfin, j'ai peur que l'idée... Oh, tout à fait inconsciemment. Valogne, levez-vous.
Vous vous souvenez de cela? Non. Non, monsieur le président, je ne me rappelle pas. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, je ne vois pas. La défense? Je laisse à la cour, à mesdames et messieurs les jurés, le soin d'apprécier toute la valeur de ce témoignage dont l'exactitude et la sincérité, pour si tardive qu'elle soit, ne font à mes yeux aucun doute. La cour vous remercie, monsieur Bellière. Vous pouvez retourner vous asseoir. Bien, monsieur le président. Je déclare les débats terminés. La cour va se retirer pour délibérer. Mesdames, messieurs les jurés, voici les questions auxquelles vous aurez à répondre. L'accusé est-il coupable d'avoir le 25 juin 1972 Monsieur Bellière, vous voilà. Mon Dieu, ces délibérations qui n'en finissaient pas. Je vous ai cherché, vous aviez disparu. Non, non, j'étais sorti un peu pour prendre l'air. Vous m'en voulez? De votre intervention? Oh non, 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 pas du tout. Vous n'espériez pas un acquittement quand même? 5 ans de prison. Pauvre François. Et ça veut dire que les jurés ont cru finalement à un homicide involontaire, à votre avis? Je ne sais pas, je ne connais pas les tarifs. Oh, il y a quelqu'un là-bas qui a l'air de vous faire des signes, vous voyez pas? Le monsieur à cheveux gris. Je vous laisse. Non, si vous non, avez... non, non. Ne regardez pas de son côté, venez. Ce n'est pas un ami et il ne veut pas de bien. Venez, venez. Venez. Dites-moi, vous m'aviez dit que si j'avais besoin de vous pour une situation, par exemple, ça tient toujours, malgré tout? Bien sûr, malgré tout. Parce que il n'y a pas de problème à me valoir un bon petit job dans pas longtemps. Ça, c'est sûr. Ah bon? Oui. J'ai froid. Venez, on va prendre un pot. Il y a un bar en bas. Il doit être encore ouvert. Il n'y a qu'à vous que je peux tout dire, Madeleine. Vous vous appelez Madeleine, je crois. Oui. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, en pensant à un meurtrier, ce que vous auriez fait à sa place? Non. Non, j'avoue. Eh bien, moi, si. Ou plutôt, je n'ai pas besoin de me poser la question. La réponse, je la connais déjà. Ah oui. Je comprends. Le caillou dans ma chaussure. Il n'a pas fini de me faire mal. Levez la main droite. Ce film radiophonique de Jeanine Ray-Lambert avait pour interprètes Pierre Delbon, Bernadette Lange, Henri Crémieux, Henri Poirier, Jean-Marie Fertet, Charles Charras, Lisette Lemaire, Pierre Marteville et Marcel Lestang. L'Anthologie du mystère vous était présentée par Pierre Billard.